Je vois certains qui arrivent, on va attendre encore une ou deux minutes. Merci. Bonjour à tous. Si Céline est prête, on peut y aller. Ouais, excellent. Bonjour à tous, je m'appelle Joël Yeuch, ou Josh pour les Français. Je suis membre de la chapelle évangélique de Mulhouse. Donc, c'est une église évangélique qui se situe au centre-ville de Mulhouse. Et nous sommes actuellement en période de travaux pour réhabiliter le bâtiment. Et du coup, la paroisse de Dornac nous accueille ici depuis plusieurs dimanches. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de la chapelle évangélique. Et aussi, on va remercier la paroisse de Dornac et accueillir tous les membres qui fréquentent les paroisses de la dynamique mulhousienne. Donc, 6 églises, je crois, qui, avec l'église de Dornac. Qui ont leur culte ce matin, aujourd'hui, ici. Ce culte sera filmé pour les personnes, notamment qui ne peuvent pas venir ici, et sera retransmis par Internet sur la chaîne YouTube, je crois, Dynamique Mulhousienne. J'aimerais vous présenter un peu le... Donc je vous accompagnerai pendant ce culte. On aura un premier quart d'heure avec les enfants. Et tout à l'heure, les enfants qui vont à l'école primaire ou au collège pourront rester avec nous. Les plus petits auront une activité prévue pour eux au sous-sol de cette église. Eh bien, je vous invite à prier avant de démarrer ce culte par un chant. Éternel, merci de nous accueillir dans ta maison aujourd'hui. Nous sommes là pour t'adorer et te dire combien tu es précieux pour nous. Amen. J'invite l'équipe de louange à venir entonner avec nous un premier chant qui s'intitule « Vous, tous les peuples ». Sentez-vous libre de taper des mains comme le chant le dit ou voilà, vous levez. Thank you.
Nous aimerions lire le psaume 47 avec vous, Elisabeth et moi, qui s'intitule « Chantez pour Dieu, le roi de toute la terre ». Vous, tous les peuples, battez des mains, rendez gloire à Dieu avec des cris de joie. Oui, le Seigneur, le Très-Haut, est terrible. Il est le grand roi de toute la terre. Il place les peuples étrangers sous notre pouvoir. Il les met sous nos pieds. Il a choisi pour nous notre pays et nous en sommes fiers. Nous, le peuple de Jacob, aimé de Dieu. Dieu entre dans le temple parmi les cris de joie. Le Seigneur entre au son de la trompette. Chantez pour Dieu, chantez, chantez pour notre roi, chantez. Oui, Dieu est le roi de toute la terre. Chantez pour lui votre plus beau chant. Dieu gouverne les autres peuples. Il est assis sur son siège sacré. Les chefs des peuples se rassemblent avec le peuple du Dieu d'Abraham. Oui, les chefs de la terre sont à Dieu, qui est au-dessus de tout. Ce psaume nous invite à chanter combien Dieu est grand, incomparable, le grand roi de toute la terre, au-dessus de tout. Et c'est ce que nous allons faire avec les deux prochains chants. Dieu incomparable et le roi dans sa splendeur. Thank you.
Je vais prier pour les petits-enfants qui vont nous quitter ensuite. Père Céleste, merci pour la joie d'être ici ce matin. Je te prie de veiller encore sur les plus petits-enfants et les personnes qui les accompagnent durant leur temps de culte ce matin. Amen. Les enfants de la garderie, vous pouvez y aller. Comme je disais tout à l'heure, les enfants de l'école primaire et du collège peuvent rester avec nous ce matin. Et les plus grands enfants aussi. Pendant qu'ils s'en vont, nous pouvons chanter encore deux chants. Adorons le Seigneur et viens, ne tarde plus, adore. Thank you.
je vous propose quelque chose ce matin, une lecture pour laquelle il faut un petit peu d'imagination. Je vous propose donc, ceux qui le veulent, de fermer leurs yeux et d'essayer vraiment de vous représenter ce que je vais lire. Ça se trouve dans Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 8. C'est donc le prophète Ésaïe qui parle. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps, 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre !» Leur voix faisait trembler les portes sur leurs gonds. Le temple se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit, maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Alors, j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Laissons monter à Dieu nos prières, à voix haute ou à voix basse, ou dans son cœur. Maintenant que nous avons conscience de combien Dieu est saint et combien nous aussi, nous avons été rachetés. Pardonner et réconcilier avec toi. Oui, louange et gloire à toi, je te
Prie, Seigneur, de nous parler ça. Amen. Oui, Seigneur, pardon pour les mauvaises paroles et les mauvaises pensées que j'ai pu avoir cette semaine. Amen. Lorsque j'ai lu pour la première fois ce passage, en essayant de me représenter tout ce dont il était question, je me suis senti tout petit face à ce Dieu, très grand. Très grand, et moi très petit. Et aussi la deuxième chose, c'est que Dieu était très loin. Et moi, ma faute, me mettait très loin de Dieu. Et j'aimerais que l'on chante le prochain chant qui dit « Tu es venu jusqu'à nous ». Comme cela a été prié, cette distance qu'il y a entre Dieu et nous, à cause de notre péché, c'est Jésus qui l'a comblé, cette distance. Et Jésus est bien au centre de ce prochain chant. Tu es venu jusqu'à nous. Thank you.
Je vais prier pour introduire la prédication qui nous sera apportée par le pasteur Jean-Sébastien. Seigneur Jésus, ouvre nos oreilles, ouvre nos esprits à entendre, à écouter ce que tu veux nous dire par l'intermédiaire de notre pasteur. Amen. Je me réjouis vraiment de ce premier culte commun entre nos communautés. Parce que c'est pas tout de partager le même bâtiment, c'est aussi chouette de pouvoir partager aussi des temps de vécu en commun et quoi de mieux de ce qui nous rapproche que de vivre ensemble un culte. Je vous invite ce matin à vous mettre à l'écoute de deux textes bibliques. D'abord dans l'Évangile, et c'est Adija qui va nous lire ce texte. Jean 6, versets 1 à 15. Après cela, Jésus alla de l'autre côté du lac de Galilée. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les miracles qu'il faisait en guérissant les malades. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit donc à Philippe, « Où pourrions-nous acheter de quoi leur donner à manger à tous ?» Il disait cela seulement pour voir ce que répondrait Philippe, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour chacun d'eux, que chacun d'eux reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus dit alors « Faites asseoir tout le monde. » Ils s'assirent donc, ils étaient au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, les distribua à ceux qui étaient là, assis là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous assez à manger, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Les gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, déclarèrent, « Cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans ce monde. » Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline tout seul. Et le deuxième texte que je vous invite à entendre, c'est dans l'Ancien Testament cette fois-ci, dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, et c'est François qui va nous le lire. Dans le premier livre des Rois, nous lisons au chapitre 17, les versets 1 à 16. Élie, le Tishbite, de la population de Galade, dit à Achab, « Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël au service duquel je suis, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » La parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi dans le ravin de Kérit,
qui est à l'est du Jourdain. Ainsi, tu pourras boire au torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te ravitailler là-bas. » Il partit et agit selon la parole du Seigneur. Il s'en alla habiter dans le ravin de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait au torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie sur le pays. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas une femme, à une veuve, de te ravitailler. » Il se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Il y avait là une femme, une veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans la cruche pour que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela encore et dit, « Va me chercher, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai rien de prêt. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche et un petit peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai et je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains pas. Rentre et fais ce que tu as dit. Seulement avec ce que tu as, fais-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne désemplira, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. » Elle s'en alla et fit comme Élie avait dit. Elle mangea, elle, lui et sa famille, pendant des jours. La cruche de farine ne tarit pas, et la jarre d'huile ne désemplit pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin de vie. Amen. Il est gonflé, Élie, vous ne trouvez pas ? Enfin, moi, je trouve qu'il est profondément gonflé. Si ça se met en veille, ça ne va pas du tout. Bonjour. C'est ça, de ne pas vouloir imprimer de papier. En tout cas, Élie est profondément gonflé. Son attitude envers la femme, envers la veuve, est profondément problématique. Et profondément, enfin, en tout cas, moi, je suis profondément choqué par l'attitude machiste d'Élie. Va me chercher. Si moi je dis ça à la maison, ça ne va pas le faire. Va me chercher. Une façon de parler, faut se l'avouer, qui nous laisse sans voix, nous, auditeurs et auditrices du 21e siècle. Est-ce que c'est bien là une façon de parler à une femme ? Élie, par deux fois, adresse à cette veuve la parole, d'abord pour lui demander de l'eau, puis pour lui demander du pain. Et c'en est vraiment trop pour cette femme. Le peu qui lui reste en farine et en huile, cette femme se le gardait pour elle et pour son fils. Une fois la farine et l'huile utilisées, les deux sont voués à mort. Étonnant de la part d'Élie, l'homme de Dieu, on s'attendrait logiquement que ça soit Élie qui s'occupe de la veuve et pas l'inverse. On s'attendrait que ça soit Élie qui prenne soin de la veuve
alors que là, c'est la veuve qui prend soin d'Élie. La veuve le nourrit, lui, pour ne pas qu'il meure de faim, quitte à ce qu'elle meure de faim. C'est vraiment gonflé de la part d'Élie d'aller ôter le pain de la bouche de cette veuve. Vraiment, Élie est sans gêne. De ce point de vue-là, l'attitude de Dieu dans le texte ne brille pas davantage. Pourquoi Dieu envoie-t-il une sécheresse et donc une famine sur tout le pays ? Qu'ont-ils donc fait ? Que le peuple a-t-il donc fait pour mériter cela ? Le peuple, directement, pas grand-chose. En fait, à dire vrai, rien du tout. Dieu est plutôt en froid avec les dirigeants du peuple, ou plutôt les dirigeants sont en froid avec Dieu. Le roi Akab et la reine Jézabel préfèrent adorer Baal plutôt que l'Éternel. Mais est-ce bien là une raison pour punir tout le pays ? Si Dieu peut commander aux corbeaux directement de porter du pain et de la viande, si Dieu peut faire que la cruche de farine ne tarie pas et que la jarre d'huile ne désemplisse pas, pourquoi fait-il un tel traitement de faveur à Élie alors qu'en fait c'est tout le peuple qui a faim ? Sécheresse, donc du coup récolte compliquée, donc du coup famine. À nous qui sommes habitués, mais peut-on vraiment s'habituer de voir des images d'enfants mourir de faim, le ventre rond de malnutrition ? Cette injustice alimentaire nous parle. Je ne vous donne pas les chiffres des personnes qui meurent de faim chaque jour, c'est des chiffres qui donnent le tournis. Rajoutons à cela le fait que la veuve est prête à sacrifier sa vie et celle de son fils pour nourrir Élie. Quel sens y a-t-il à sacrifier sa vie ? En quoi la vie d'Élie vaudrait-elle plus que la vie de la veuve et celle de son fils ? Oui, est-ce qu'une vie vaut-elle plus qu'une autre ? Oui, tout cela n'est guère raisonnable et nous pose question quand on entend ce texte. Un texte où cette veuve est ultra précaire, la sécheresse et la famine ont fait justement que les conditions de vie de cette veuve sont précaires. Déjà que le statut de veuve la rangeait dans la catégorie des pauvres, des indigents, elle, cette veuve-là, elle doit nourrir Élie. Lui, le prophète, sait qu'une veuve va le nourrir, mais il ignore le moyen par lequel elle le fera. Arrivé à Sarepta, Élie cherche à l'identifier. Le premier indice qu'Élie relève est qu'elle ramasse du bois, et si elle ramasse du bois, c'est qu'elle doit faire la cuisine. Vous voyez venir un peu la suite logique dans les idées. Si elle fait la cuisine, c'est donc qu'elle fait à manger, et donc, forcément, c'est la veuve en question. Une des lectures possibles des demandes d'Élie, les fameux de « va chercher » ou « va me chercher », serait qu'Élie teste la foi de la femme. Mais Sarepta est en terre étrangère. Ici, ce n'est pas l'Éternel Dieu qui est Dieu, mais Baal. Alors cette veuve-là était-elle censée connaître l'Éternel ? Ce qui est évident pour Élie, elle cherche du bois, elle fait la cuisine, elle fait la nourriture, donc c'est elle, n'est pas forcément aussi évident pour elle. À ces questions, le texte n'apporte pas de réponse. Mais lorsqu'Élie demande du pain, la veuve proteste en jurant par le nom de Dieu. Ton Dieu en plus, pas le sien. Celui d'Élie. Apparemment, elle a reconnu en Élie l'homme de Dieu et le test d'Élie, s'il en est un, a fonctionné. La veuve ne sait pas si elle doit tout risquer pour cet inconnu, mais elle lâche prise. La veuve manque de tout, elle désespère, elle se bat pour survivre et finalement elle s'en sort. Nous sommes cette pauvre veuve qui expérimente le manque. La peur du manque, la peur de manquer est une peur qu'on connaît bien. Ces idées de famine, de sécheresse me parlent de manière symbolique de ces étapes que nous vivons dans nos vies, ces déserts de nos existences, ces temps de doute, d'incertitude, de faiblesse et de manque. Cela m'évoque aussi la dépression du prophète Élie, à peine quelques chapitres plus loin, au chapitre 19, où il dira « Je n'en peux plus, maintenant Seigneur, prends ma vie ». Lorsqu'on passe par des temps d'épreuves qui nous touchent, au plus profond de nous-mêmes,
avec des journées tristes et des nuits peuplées de sombres pensées, est-ce qu'on n'a pas des sentiments analogues ? Épuisé, Élie s'endort sous un genêt, un ange le réveille, « Lève-toi et mange, lui dit-il, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Élie était prêt à aller jusqu'au bout de sa vie. La veuve de Sarepta aussi était prête à aller jusqu'au bout. Elle était prête, résignée à donner sa vie. En lâchant prise, elle surmonte non pas une, mais deux peurs, celle de manquer et celle de mourir. Et c'est là le premier miracle qui permettra le miracle de la cruche et de la jarre qui ne désemplissent pas. Pour Élie, le message est clair. « Va-t'en, lève-toi et pars, va à Sarepta. » Ça, c'est les interjections que Dieu envoie à Élie. Juste, vas-y, lève-toi, va-t'en. Élie est mis en mouvement par Dieu. Il est envoyé par une force qui le met debout et qui le rassure, par-delà les incertitudes de sa vie, de sa mission et de comment il va recevoir à manger. Cet envoi pour Élie est déroutant. Déroutant aussi pour nous, parce que alors que Dieu est en froid avec le roi Achab et la reine Jézabel, étrangère et adoratrice de Baal, il envoie justement Élie en terre étrangère, à Sarepta, patrie du dieu Baal. Pas très cohérent, a priori. En fait, le texte nous met face à deux femmes, deux étrangères, deux adoratrices de Baal, la reine Jézabel et la veuve de Sarepta. Dans ce récit, être placé face à deux femmes, c'est symboliquement être placé face à deux choix, deux attitudes. D'un côté, Jézabel, qui certes, pour l'auteur biblique, se trompe de Dieu, mais qui, au début, essaye de bien faire. Elle s'engage dans sa religion, elle fait preuve à l'occasion de compassion, et avec son mari, elle s'engage dans la construction de la ville. De l'autre, la veuve de Sarepta, pas si docile que ça, faut l'admettre. La veuve de Sarepta qui progressivement, et non sans résistance, concède à prendre l'Éternel comme Dieu. Au début, c'est ton Dieu, quand elle parle à Élie, et à la fin, les choses évoluent. Le texte biblique nous montre que nous sommes à la fois Jézabel et la veuve de Sarepta. Nous sommes à la fois Jézabel qui adore en Baal la force. Nous sommes aussi Achab, le roi qui agit sans conviction, guidé par les autres, même si c'est n'importe quoi. Nous sommes la pauvre veuve qui manque de tout et qui se bat. Nous sommes ce peuple qui connaît la sécheresse et le manque. On a tous les personnages, et Élie, me direz-vous. Élie, je pense que ce n'est pas une partie de nous, mais c'est quelque chose d'autre. Élie, à mon sens, représente notre foi en l'Éternel, que parfois on alimente et nourrit, et que parfois on balaye d'un geste de la main en la mettant aux oubliettes. Le nom même d'Élie parle de la foi, Élie, Élijah en hébreu, c'est mon Dieu, c'est l'Éternel. Rien que le nom d'Élie, c'est déjà une confession de foi. Le nom d'Élie, justement, fait écho au nom de Jézabel, qui veut dire « qui est le prince ?» Qui est le prince ? Bonne question. Est-ce que notre réponse sera-t-elle forcément « Élijah ?» C'est Dieu, l'Éternel ? Mon Dieu, c'est l'Éternel ? À la question « qui est le prince ?», est-ce que notre réponse sera forcément celle-là ? Pour Jézabel, c'est clair et net, c'est Baal qu'elle honore. C'est Baal le prince de sa vie. Du coup, sa vie est coupée de cette source qu'est l'Éternel. Et c'est là que la question de la sécheresse et la famine du début du texte prend tout son sens. Coupée de l'Éternel, ben c'est dans nos vies une source de sécheresse et de famine. Et c'est cette sécheresse qui pousse Élie à se mettre en route. Et Élie, en allant à l'étranger, à la rencontre d'une femme étrangère, va faire l'expérience de ce qui fonde toutes les relations humaines. L'impératif que Dieu lui adresse, « Lève-toi et pars », l'oblige à sortir de soi, à sortir de sa coquille, de ce qu'il est, pour aller à la rencontre de l'autre, et du coup, il rencontre la veuve. Toute relation avec quelqu'un, toute rencontre avec quelqu'un, implique d'abord que j'accepte de sortir de moi pour aller à la rencontre de l'autre.
Dans une rencontre, toutes les parties ont quelque chose à gagner et partager. Des expériences spirituelles, des habitudes culturelles différentes à comprendre, un nouveau souffle à recevoir de l'autre qui vient ou de celui qui l'accueille. Rencontrer l'autre, c'est accepter, l'accepter tel qu'il est, avec ce qui fait sa vie et avec ce qui fait la mienne. Un exemple concret. Pour nous, quand je dis nous, c'est l'Église protestante, on digère à peine le j'aime 1. Alors le j'aime 3, pour nous, c'est exotique. Et non, mais soyons francs. Un autre exemple, avoir quelqu'un en noir qui vous parle, pour d'autres, c'est tout à fait exotique aussi. Mais pourtant, on arrive quand même à trouver des terrains d'entente et des terrains où on arrive à se rencontrer. Élie profite de la veuve, mais cette rencontre a un prix. Il s'agit de surmonter les barrières à franchir. Elle demande que l'on s'engage à sortir et accueillir, à s'ouvrir à l'inconnu et à reconnaître l'autre dans sa différence et sa dignité. Il s'agit de surmonter les barrières pour s'ouvrir à l'inconnu et accueillir quelqu'un qui vient avec son propre bagage et qui nous trouve avec le nôtre. Alors, à chaque fois que l'on fait des valises lorsqu'on s'apprête à partir, ceux qui partent ou reviennent de vacances le savent, ceux qui sont en train de faire des cartons pour déménager le savent, quand on a des valises, il y a toujours des questions qui se posent. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas? Qu'est-ce que j'emporte? Qu'est-ce que je laisse? C'est les mêmes questions qui se posent quand on rencontre quelqu'un. Qu'est-ce que je garde de moi? Qu'est-ce que j'emporte? Qu'est-ce que je suis prêt à laisser? Qu'est-ce que je suis prêt aussi à ce que l'autre m'apporte? Qu'est-ce que l'autre est prêt à recevoir? Comment peut-il m'accueillir avec mes bagages? Pas trop empaqueté non plus, pour laisser de la place ouverte à l'imprévu. C'est comme quand on part en vacances, on laisse toujours de la place pour les choses qu'on va ramener de vacances. Il ne faut pas trop charger avant. Je trouve que c'est assez beau qu'Élie doive rencontrer quelqu'un pour être nourri. C'est vraiment un morceau de texte que j'aime beaucoup. Élie, cette nourriture, la nourriture, il la reçoit de quelqu'un d'autre. Une belle manière de dire que la rencontre avec l'autre est nécessaire à la vie humaine et qu'elle nous nourrit. Cette semaine, les Mulhousiens le savent peut-être, c'est le festival Scène de rue. Jeudi soir, j'étais au Drouot, dans la cour d'école du Drouot, pour un spectacle, et franchement, ça fait du bien de voir des gens, de voir des vrais comédiens, et d'entendre une foule rire, quoi. Enfin, juste ça, ce contact humain, on l'a mesuré avec ces mois assez compliqués. En fait, c'est fondamental pour vivre. Sinon, en fait, il y a une partie de nous qui dépérit. Donc, pour moi, ça paraît bien qu'on a besoin de relations humaines et que ça nous nourrit et que ça nous constitue. Mais rencontrer l'autre, est-ce que c'est vraiment possible sans la confiance? Peut-on oser faire confiance? C'est la question qu'on se pose avec cette veuve qui, au début, elle est un peu réticente. Ben oui, elle ne connaît pas Élie. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Sous quelles conditions peut-on faire confiance? C'est une question qui se pose, basiquement, dans l'accueil. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible d'accueillir l'étranger sans avoir forcément un regard de suspicion? Il dit qu'il est mineur, mais est-ce que c'est vraiment un mineur isolé? Est-ce qu'il ne mégote pas un peu en disant en fait qu'il a 19 ans ou 20 ans, en disant que c'est un mineur? Mais est-ce que le pays est vraiment un pays pas sûr? Mais est-ce qu'il ne vient pas plutôt... Voilà, toutes ces questions qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut vraiment accueillir l'autre d'un regard neutre? Nos peurs non maîtrisées peuvent fermer les cœurs. Des migrants fuient leur pays car ils ont peur de mourir. Les accueillants potentiels les rejettent car ils ont peur de perdre leur culture, leur niveau de vie, en d'autres mots, que leur cruche d'abondance ne se tarisse. Nous aimerions pouvoir négocier avec Dieu que le miracle se produise avant la confiance. Nous préférerions que l'histoire de la veuve se déroule de la sorte, la veuve disant à Élie, « Je veux bien te nourrir si tu me garantis que jamais cruche de farine ne se videra, jamais jarre d'huile ne se désemplira. » Il n'y aurait plus de miracle possible. Le miracle extérieur commence toujours par le miracle intérieur, celui de la confiance, celui de la foi. Sans miracle du cœur,
il ne peut y avoir de miracle extérieur. Et c'est là que l'appel à la confiance de Dieu prend tout son sens. Ce « n'aie pas peur ». N'aie pas peur que Dieu envoie à Élie. Une phrase, un appel qui retentit dans nos Bibles, du premier au second testament, des patriarches à Jésus. Ce « n'aie pas peur », Dieu l'a adressé à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Josué et à bien d'autres encore. Dans notre texte, c'est au travers d'Élie que Dieu adresse ce « n'aie pas peur » à la veuve de Sarepta. « N'aie pas peur ». Un appel qui nous est également adressé quand nous lisons la Bible. Abraham, face à l'impossibilité d'avoir des enfants, n'aie pas peur. Isaac, dont la condition de vie ne lui permette pas d'espérer une descendance, n'aie pas peur. Jacob, qui a peur d'aller en Égypte où son fils Joseph l'attend, n'aie pas peur. Josué, qui recule devant la conquête du pays d'Aï, n'aie pas peur. Abraham, Isaac, Jacob, Josué et tant d'autres. Des morceaux de nous-mêmes. Quand nous lisons leur histoire, nous nous y retrouvons par-ci, par-là. Leur histoire et la nôtre parfois se rencontrent. Quand la confiance manque dans nos vies, quand aucune espérance semble possible, quand l'avenir est trouble et incertain, cette parole que Dieu adresse à la veuve, « n'aie pas peur », nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne et nous promet l'abondance et la bienveillance, farine et huile à profusion. Séparément, avouons-le, une cuillère de farine, c'est pas bon, une cuillère d'huile, c'est pas bon non plus, hein. Je ne parle pas d'huile de foie de morue, c'est encore autre chose. Ça, c'est un calvaire. Voilà. En tout cas, huile et farine, il faut les pétrir ensemble et les cuire ensemble pour qu'elles soient nourrissantes. Il convient de pétrir ensemble le meilleur de qui nous sommes avec la bénédiction de Dieu, son esprit, sa parole. Que la confiance en la présence de Dieu à nos côtés soit notre nourriture. Alors, nos cruches de farine et nos jarres d'huile ne désempliront jamais. Amen. J'invite Michael et Elisabeth pour nous accompagner dans la dernière strophe du précédent chant « Tu es venu jusqu'à nous » et qui nous invite à servir. Aller vers l'autre et faire confiance, comme Jésus à son image, allons vers les autres. On va passer un temps d'annonce. Alors, d'abord Michael et Baptiste qui vont nous parler, quelque chose à nous dire. Venez. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est un privilège d'être ici ce matin.
Et en fait, nous, on s'occupe des étudiants. Notre but, notre vision, c'est d'aimer et de servir l'étudiant, tout simplement. Ça peut être toutes sortes d'œuvres. On a pu faire des concerts apéro, on a pu faire des soirées à thème, on a pu faire... Voilà. Quelle que soit finalement la raison, le principe reste toujours le même. Et donc l'année dernière, dans la période de Covid, vous avez pu l'entendre, il y a eu beaucoup de parler des étudiants qui avaient des problèmes de précarité, etc., durant la crise. Et nous, on a décidé de faire une campagne de porte à porte. On est allé toquer aux portes de tous les étudiants de toutes les résidences universitaires de Mulhouse et de Colmar. Et puis, grâce à ça, on a pu remonter beaucoup d'informations, et notamment, on a pu aller voir quels étaient les étudiants qui étaient les plus en difficulté. Et c'est dans ce sens-là qu'on a eu des contacts, qu'on a été, j'ai envie de dire, on a été guidés, en fait. J'ai quelqu'un de l'Église Talon qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il voulait aider les étudiants. Je lui ai dit, bah, ça tombe bien, nous aussi. On a des noms, on a des étudiants, et elle me demandait justement comment elle pouvait trouver les étudiants précaires. Et c'est comme ça que s'est mis en place une campagne de collecte pour distribuer des colis alimentaires. Ah, je vais peut-être te laisser. Voilà. Ça tombe bien aujourd'hui parce qu'on parlait de la nourriture. Plus fort, plus fort. Ça tombe bien aujourd'hui, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, on parlait aussi de la nourriture. Et en fait, on avait fait deux actions. Et on veut vous remercier, ceux qui ont participé, les membres de la chapelle aussi de d'autres églises. On a fait des colis pour les étudiants, à peu près 200, on a distribué à peu près 250 colis auprès de 150 étudiants. Et ça fait longtemps qu'on voulait vous remercier, ça tombe aujourd'hui, on n'a pas choisi la date avant, mais ça tombe bien pour la nourriture, mais aussi pour le contact personnel qu'on avait, les relations. Aussi une autre action, quelques personnes de différentes églises ont invité aussi des étudiants pour manger chez eux. C'était possible de recevoir quelques-uns, deux, trois. Et alors, on avait de très bons retours des étudiants et aussi des familles. Et on voulait vraiment vous remercier à tous ceux qui ont participé. Oui, vraiment, Dieu montre encore aujourd'hui combien il est cohérent. Et à tous ceux qui ont pu participer à cette action-là, vous avez été, dans la main de Dieu, le moyen qu'il a utilisé pour accomplir ce miracle-là, puisque de nous-mêmes, on n'aurait jamais pu apporter autant de colis. On est une petite équipe de 6, on n'a pas ces moyens-là. Mais c'est les églises de Mulhouse ensemble qui ont pu se mobiliser. Il faut savoir aussi que cette personne avec qui j'étais en contact et qui organisait toutes les collectes, je l'ai rencontrée il y a 2-3 semaines. Je ne l'avais jamais rencontrée. Et ça aussi, c'est la démonstration de la force de la famille du Seigneur, et ça fait vraiment plaisir. On est en train de contempler en ce moment-là l'immensité des fruits que ça a produit. Il y a une solidité incroyable, parce qu'on a pu parler aux étudiants, mais on a pu aussi agir derrière. Et c'est ce verset qui était sur mon cœur pendant toute cette période, c'est, je crois que c'est dans le genre, c'est « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Et c'est vraiment ce qui nous a motivés, ce qui continue à nous motiver derrière. Et comme je disais aujourd'hui, vous n'imaginez pas et nous n'imaginons pas encore, puisque nous n'en voyons seulement que le début, le fruit que ces œuvres-là ont pu porter. Et voilà, aujourd'hui, on se réjouit de pouvoir commencer à récolter aussi derrière, en continuant nos œuvres qui seront plus maintenant plus dans le social, dans le relationnel, avec ces étudiants-là qu'on a pu accrocher du coup grâce au collier et grâce à votre aide. Donc merci à tous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci. J'appelle Jean-Sébastien pour quelques annonces. Moi, je vais être bref, déjà assez parlé. J'ai deux annonces. La première pour les membres de la chapelle et la deuxième pour les membres de la dynamique mulhousienne. D'abord pour les membres de la chapelle. Officiellement, on vous accueille jusqu'au mois de décembre. Mais on sait déjà que les travaux, a priori, ne seront pas finis en décembre. Donc moi, je peux déjà vous dire qu'on vous accueillera le temps des travaux. Pas parce que... Non, mais c'est pas moi, hein. Voilà. Vous pouvez aussi applaudir Adija parce qu'Adija c'est la présidente du conseil paroissial, donc c'est aussi elle qui est responsable. Enfin, voilà.
Voilà, mais c'est parce qu'il faut aussi, pas que moi. Bref, mais dans le sens juste qu'on avait, quand on s'est rencontrés en février, mars, je ne sais plus, on avait, les travaux s'étaient estimés mois de décembre, on avait dit, on verra. Voilà. Et donc, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je vous le dis déjà, parce que c'est important de le dire. La deuxième chose concernant les paroissiens de la dynamique mulhousienne, dimanche prochain, deux cultes à 10h, et à Ilzac et à Terre-Nouvelle. Donc dimanche prochain, 10h, temple d'Ilzac avec baptême, ou alors dimanche prochain, 10h, Terre-Nouvelle. Voilà, j'ai fini. Merci pour l'accueil qui se perdure. Les annonces pour la chapelle, alors le culte dimanche prochain à 10h, ici même, et notre réunion de prière hebdomadaire le mardi soir, n'aura pas lieu pendant cette période de vacances. Vous serez informés quand elle redémarrera, mais vous pouvez prier depuis chez vous, ou vous rencontrer à 2-3, c'est pas un souci, au contraire. On peut penser aussi à Timothée Frey, qui s'est marié hier. Timothée Frey, c'est la personne qui joue du caron de temps en temps. Voilà. La prochaine fois que vous le voyez, vous pourrez le féliciter avec son épouse. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces de la chapelle. Non. Et bien dans ce cas, je vous invite à chanter le Notre Père, le chant qui s'intitule « Que ton règne vienne ».
17, où Dieu parle et dit : Qui vais-je envoyer ? Qui sera notre porte-parole ? Et comme le prophète Ésaïe, nous pouvons répondre : Me voici, envoie-moi. Et une dernière parole : La personne qui vous a accueilli ce matin, Astrid, il paraît qu'elle a son anniversaire aujourd'hui, donc en repartant, vous pourrez lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà. Bon dimanche à tous. Au revoir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Astrid, joyeux anniversaire.